les crocs, c'est Toshikro et bienvenue pour la suite de Resident Evil 7. Nous sommes à la 8ème partie, ça commence à faire beaucoup. Et souvenez-vous, on s'était donc arrêté juste ici. Alors la télé, je sais pas pourquoi elle s'est éteinte. On avait vu sur la télé Mia et Zoé captives par le fils Baker. Et ici, il y avait la petite chaise qui buguait. Je me souviens que cette chaise était totalement buguée ici. Et écoutez, bah c'est parti les crocs. Alors, on va ouvrir cette porte. En avant. On va essayer donc de sauver Mia et Zoé. Oh! Ah d'accord, on est dehors. Ok, oh le con. Ok, je suis allé dans le coffre. J'avais mis la manivelle dans le coffre. Et je pense qu'on en a besoin pour activer ce petit mécanisme. Ouais, c'est ça, parfait. Je pensais être bloqué dès le début de la vidéo, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Allez. Donc on vient de lever ce pont là. J'arrive Mia. Mia, j'arrive, mi amore. Je vais essayer de te sauver. J'ai bien dit essayer, hein. Il y a des chances que je n'y arrive pas. Putain, c'est énorme, là, on est sur un pont immense. On n'est plus du tout dans la maison, du coup, là. On est complètement... Attends, la maison, elle est là? Ouais, non, on part carrément je sais pas où, là. Tiens, on va essayer d'aller là-bas. On va essayer d'aller dans cette petite maison, là. Cette petite cabane. Alors, est-ce qu'il y a encore des caisses piégées? Non, je pense que c'est bon, les caisses piégées, on n'en aura plus. Encore heureux. Des cartouches, parfait, parfait, parfait. Oh, je m'en doutais. Putain de saloperie. Putain, elle est arrivée carrément de l'eau. Putain, c'est quoi, j'ai envie de tracer là. J'ai envie de tracer. Oh lolololo, il y a des méchants là. Oh, il y a des méchants là. Cours, Ethan, plus vite. Ethan ne sait pas courir dans Resident Evil 7. Hein. Ah non, non, non. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 oh, ça passe. Vous avez vu comme quoi c'est possible de ne pas tuer d'ennemis, juste de passer à côté. Comme ça, on peut garder nos munitions bien au chaud. On n'a pas besoin de dépenser de munitions, ça c'est cool. Allez, petite sauvegarde qui fait bien plaisir. Voilà. Allez, on continue les crocs. On va monter là-dedans, là. Alors du coup, je me demande où se trouvent Mia et Zoé. On a la réponse. Ah, oh, c'est énorme. Mia, Zoé, enchantée Zoé. Zoé, Zoé. Pas maintenant, on n'a pas le temps. Est-ce que tu as les ingrédients? Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut, oui. Je les ai. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Mais non, il est mort. Bien. Papa is back. Non, c'est pour deux. Papa is back. Mia, laisse-moi te détacher. Et te transforme pas cette fois, saloperie, hein. Bon, on fait le sérum et ensuite. Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Oh putain, Zoé, c'est bizarre de voir ta tronche. Prendre le sérum. Hé, il y en a un pour moi. Oula. What? Oh, c'est quoi ça? Oh putain! What the fuck? C'est quoi? Aïe! Mon dieu! Tiens, ça le prix! Wow! Recharge, Ethan! Recharge! Tiens, ça le part! Alors, qu'est-ce que t'en dis? Espèce d'enculé, va! Oh putain, comment on tient lourd, Jack! Tiens, salopard! Oh putain! Alors, t'en veux encore? Eh, il en veut encore, hein! Tiens, salopard! Oh putain! Énorme! C'est excellent! Oh putain, faut tuer tous ces œils. Ok, faut tuer tous ces œils. Allez, tranquillement les crocs, on va le faire. Hein. On va le faire. Putain, papa, t'as bien changé. Tu ressembles plus à rien. Tu ressembles plus à rien, papa. Alors. Bah alors, papounet,
T'as pas pris tes cachets? Tiens, salopard! Tu vas crever, espèce d'enculé! Oh mon dieu, il est horrible! Arrête de bouger! Oh! Wow! Wow, 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 wow! T'as pas un œil pas loin là? Putain, je vois plus d'œil! Je vois plus d'œil! Oh, il a un œil là! À son cul! Ok! Je l'ai! Je l'ai, je l'ai! Laisse-moi recharger! Enfoiré! Bouge pas! Oh l'enculé, il a bougé! L'enculé! Non! Oh! Ton œil! Oh, soigné! Il est où ton œil? Fais-moi voir ton putain d'œil! Il est là! Voilà! C'est bon! Tu vas mourir? Putain, il est pas mort! Crève! Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse? Pourquoi il creuse? Alors, il est parti dans l'eau, on va vite remonter. Oh! Coucou! Salopard! T'en veux encore, espèce d'enculé? Oh putain, je crois qu'on l'a eu, eh. Bon, papa. Je crois que j'ai tout vu. Cette fois, je crois que j'ai tout vu. Eh, honnêtement, qui s'y attendait, les crosses? Qui s'y attendait de voir le père revenir déjà de une et de le voir revenir dans cet état? Ethan, par ici. Oh! Oh non! Mais non! Mais crève! Utilise le sérum sur lui. Utilise le sérum sur lui. Tiens, culé! Oh énorme! Oh énorme! Bah alors papa? Est-ce que ça va? Merci Zoé. Ouais. Allez viens, Mia nous attend. Ok, attends. Alors attends, il s'est passé trop de trucs en si peu de temps là. Du coup, il reste plus qu'un remède. Hein. Il ne reste plus qu'un remède. Alors, je vais prendre ça. Remède de premier soin, parfait. Il y en a encore ici. Munition. Bon, bah papa, ce fut un plaisir encore une fois. Bon, je pense que c'est le dernier combat qu'on a eu ensemble. Je pense pas qu'on va le revoir là, le père. Hein. Là, je crois que c'est mort, définitivement mort. Bah écoute, bonne journée. Bonne journée, à la revoyure. Oh, c'est excellent. C'était excellent. Alors, du coup, j'ai niqué mes... Putain, je suis con, j'ai niqué mes munitions de lance-grenade. Allez, on va aller les voir. J'ai dû en utiliser un. Ah, putain. Il ne reste plus qu'un. Me dis pas qu'on va devoir choisir. Dis-moi que c'est pas vrai. Non, on choisit pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, on choisit pas. Non. Non, putain, on doit choisir. Non, c'est une grosse blague. Ah, putain, mais Zoé, je te connais pas assez aussi. T'as l'air mignonne et tout, hein, franchement. T'es assez jolie. Bon, Mia aussi, même si elle a vécu des choses un peu terribles. On peut le remarquer sur son visage, mais putain, Zoé est vraiment pas mal, mais... Ah, merde. Bon, on va soigner Mia, les crozes, hein. Je pense que c'est la bonne chose à faire, non? Mais Zoé va devenir méchante aussi après, putain. Non, je soigne Mia. Je soigne Mia depuis le début du jeu. On essaie de la secourir. C'est non. Bon. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Mais Zoé... Ah, je suis désolé, partez. Zoé, putain. Partez tous les deux. Viens avec moi. Je suis sûre que quelqu'un va t'aider. C'est chez moi. Apparemment, ma place est ici. Merde. Fais chier. Ah, putain. J'enverrai de l'aide. Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. Bon, Mia, j'espère que t'es contente, hein. Bon, bah, Zoé. T'as de la bouffe. T'as le père, là, il est en train de cramer. Je t'ai fait un petit barbecue party, t'as de la bouffe, ok? Comment ça va, Mia Amore? Oh, putain, on s'en est sorti. Donc, on a soigné Mia. On part en bateau avec elle. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est le gros mystère. Ah, j'espère qu'on n'a pas fait une bêtise.
Aïe 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 aïe. J'espère vraiment qu'on n'a pas fait le con. Putain, c'est Glock ici. Wow. Comment ça va, Mia? Dan ? Merci. Qui d'autre aurais-je pu choisir ? Ethan ! Imagine, elle se retransforme. Mia, je sais ce que tu endurais. Mais il faut qu'on parle. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein ? Mia, tu ne me dis pas tout. Je veux juste la vérité. Ethan, je te jure que je ne me souviens pas. Essaye. Oula. Oula, c'est quoi ça ? Wow ! C'est le bateau. Comment est-ce qu'il est arrivé là ? Wow ! Wow ! Oh putain, le rafio ! Oula. Ça va. Qu'est-ce que c'était ? Ah ben, c'était pas très bon. C'était pas bon du tout. Ah, je le sens moyen. Oh lolo ! Non, je m'en doutais que ça allait pas finir bien. Ah putain. Par ici. Ah, c'est Evelyne. C'est Evelyne. C'est la petite fille qui a parlé. Je sais pas pourquoi elle prend Mia pour sa mère. Elle lui dit maman, ça fait déjà deux fois qu'elle lui dit ça. Oh putain, on incarne Mia ? Oh ! Oh oh ! Cet endroit. Oh ! Ethan ? Ah oui, mais attends, j'ai plus rien. Attends, c'est quoi ça ? Flacon étrange, un étrange flacon trouvé dans votre poche à votre réveil chez les Baker. C'est probablement important. Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Non, on peut pas l'utiliser. Ok, donc on n'a plus rien, on n'a pas d'armes, on a que dalle. Et on incarne donc Mia, on sait pas où est passé Ethan. Bah écoutez, Croze, allons dans le rafio. Allons voir ce qui s'y cache. Ah, c'est Ethan ! Ethan ? What the fuck ? Ethan ! Ethan ! Non ! Non ! Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Rends-moi mon Ethan. Tu me rends mon Ethan maintenant. Oh putain, merde. Je me demande comment ça va se passer là. Honnêtement, je suis très curieux là. Je suis très curieux de voir la suite. Alors, du coup, j'ai peut-être loupé un épisode des Crozes, mais. Quand Ethan a vu le bateau, il a fait. Ah, mais le bateau. Qu'est-ce que le bateau fout là ? Mais c'est quoi ce bateau ? J'ai loupé un épisode ou... C'est quoi ce bateau ? On n'a pas parlé de bateau dans le jeu. À moins que j'ai loupé un épisode. Dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas du tout ce qu'est ce bateau. Hein. Oh là là, que c'est glauque, mon dieu. Chérie ? Oh, wow ! Oh, excellent ! Une espèce de petits flashbacks là. Qu'est-ce que c'était ? Oh là là, et je sens qu'à la fin du jeu on va être tous sur le cul. Parce que là, il est en train de se passer des choses auxquelles on n'aurait jamais pu penser. What the fuck ? Regardez-moi ça, les Crozes ! C'est des gens ? Oh là, ils sont tous collés les uns aux autres. Oh là là, bon, on va continuer à monter. Alors la grande question, c'est qu'est-ce que c'est que ce bateau et qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bateau ? Il y a un casque. Oh putain d'enculé, va ! Ils sont tous morts ! Qu'est-ce que tu dis ? La salle des machines ! Putain, qu'est-ce que tu racontes ? Elle les a tous tués ! Oh, mais... Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire ? Je ne sais rien. Bon, passons par là, on va peut-être sortir d'ici. Ah, ok, il y a une trappe. Alors attendez, j'ai quand même envie de fouiller les tiroirs. Il y a peut-être des trucs. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose, non. Bon, on va passer par cette trappe. Allons-y. Oh là 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 là. Oh mon dieu, mais putain, mais c'est quoi ça ? Je me sens pas du tout rassuré, je me sens pas du tout en sécurité là.
Oh. En plus, il y a des bruits autour de moi, super. Alors, attends. Oh lolo. Il y a une deuxième trappe. Est-ce qu'on va dans la deuxième trappe? On y va. Il y aura un truc derrière moi. Attention. Non, non, c'est bon. C'est safe. C'est safe, c'est safe, c'est safe. Enfin, je dis c'est safe, mais... On sait très bien, les crows, que ce n'est pas safe ici. Oh lolo lolo. Oh lolo. Registre de l'équipage, capitaine Ed Carlil, chef mécanicien Paul. Premier lieutenant Giovanni, hein, deuxième lieutenant mécanicien, ok. Donc ça nous montre un peu l'équipage. Oh, il y a quelqu'un là. Il devait sûrement se cacher pour échapper à quelque chose. Oh, oh putain. Bon bah les crows, dans les jeux d'horreur, on ne se cachera plus dans les casiers. C'est fini les casiers. Chi, elle n'est pas ma fille. Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis totalement perdu. Mais je suis totalement perdu au niveau de l'histoire là. Elle est en moi, elle est en chacun de nous. Alors, est-ce qu'elle parle de... Est-ce qu'il parle de Evelyn? Je pense qu'ils sont en train de parler d'Evelyn, la petite fille. Je pense en fait que c'est elle qui est complètement à l'origine de tout ça, du virus, tout ça. On verra. Wow! T'as envie de prendre l'air, Mia? C'est l'occasion. Oh là, mais le bateau est immense, hein. C'est incroyable. Pétrolier LNG Annabelle. Ah, on en apprend un peu plus du coup. Donc c'était un pétrolier qui s'appelait Annabelle. Date de construction, ok, longueur, ok, ok, ok. C'est le Titanic, quoi. Le truc est aussi grand que le Titanic. Oh putain. Ah, ma petite Evelyne. Est-ce que tu te souviens? Non. Quoi? Qui as-tu? Oh, la tête flippante qu'elle a. Non. 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 Non, 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 non. Non. Oh, du coup, c'est elle la grande méchante, c'est ça? À tous les coups, c'est elle la grande méchante. On va monter à cette échelle. Oh là là, c'est ouf! Allez, ma petite Mia. Montre-moi ça. Plus vite que ça. Et ben voilà. Oh lolo. Faut descendre là-dedans. Oh putain, non, non, il y aura... On vite à l'échelle. Cours à l'échelle! J'ai trop cru qu'il allait y avoir un truc dans l'eau. Franchement, je m'y attendais. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. J'ai jamais dit ça. Maintenant, on va faire tes devoirs. Ça au prix. Tu l'as dit. J'ai rien dit. Attends. Du tout, moi. J'en ai assez d'attendre. Non. Ah, merde. Oh non, 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 non. Mais non, mais j'ai pas d'armes. Oh putain, merde. Alors, il me faut un fusible. Oh. Je crois que c'est... Non, non, faut pas aller par là. Il y a un monstre, on n'a pas d'armes. On ne va pas... Non, c'est une blague, là. Allez, trouve un fusible. Mia, trouve un putain de fusible, s'il te plaît. Fluide chimique, qu'est-ce que je vais foutre avec un fluide chimique? Ah! Non! Enculé! J'ai pas d'armes, fais pas le con, mec! Je suis une pauvre petite fille sans défense! Tu ne peux pas... Tu ne peux pas me tuer! Allez, on va essayer de tracer... Oh lolo 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 lolo... Fusible! Putain! Putain, 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 putain! Putain, putain, putain! Je me retourne pas, laisse tomber! Je me retourne pas! Ouais! Enculé! Oh! On a réussi! Le mec est en stress total! Ah putain, écrose, je vous jure, c'est horrible! Alors, on peut encore monter, mais attends, on peut aller ici aussi. Non, c'est fermé. On va monter. Donc là, on est au 2F. Ok. Allons au 3F. 3F? Est-ce que le 3F est ouvert? Le 3F est ouvert. Allons-y. Allons au 3F. Oula. Evelyne est en train de regarder la télé. Elle est en train de regarder Midi les Zouzous. Regarde ça. Ouais. Quoi? Pourquoi? Tu dois te souvenir.
Comme ça, on pourrait être une famille. Ah, une petite cassette. Mais c'est gentil, Evelyne. On y va. Alors, on va en apprendre beaucoup, je pense, sur le passé de Mia. C'est parti. Ça va être très intéressant. Test Subject 001. On y est. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. Alan. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute s'il s'est enfui. Oui, what? C'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. Elle t'a pas attaqué? Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens, il contient des échantillons de ses tissus. Oh, c'est ce qu'on a dans la poche. Tu la retrouves. Tu répares tout ça. Allez, Evie. Où es-tu? Evie. D'accord, donc on appelle Evelyne Evie. Oh là là, ah, attendez, donc là... Nous sommes Mia, on est avec un certain Alan. Alan s'est fait infecter par Evelyne. C'est ça, pour l'instant je pense que j'ai tout compris. Et on est dans le bateau? On est dans le bateau, sauf que là il n'avait pas encore coulé ni quoi que ce soit. D'accord. Oh là, mais ça change totalement, c'est un truc de dingue là. Target. Ah d'accord, on a des mètres. Le nombre indique la distance jusqu'à la cible. D'accord, ok, elle est juste là. C'est verrouillé, merde. Alors on chope des... Ah, on a une arme. Oh putain, oh putain. On a une arme. Excellent. On y va. Alors on peut pas y aller ici j'imagine. Non, ok. Ah putain, oh mais putain. Mais quel con, il y avait une trappe juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle vomit. Elle vomit. Je dois le réinitialiser. Alan, j'ai besoin de toi. Elle vomit une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Bon, il faut la trouver vite. Avant que ça dégénère. Oh là là, mais il pète un plomb, le Alan. Donc ça, c'est son vomi. Donc voilà le vomi du futur, les choses. Hein. Wow. Bon, très bien. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Montre ta montre, elle est où Evelyne? Ah voilà, 24 mètres, ok c'est par là. C'est par là. Ah je t'ai vu! Evie, Evie, Evie! Ne te cache pas! Ça ne sert à rien. Laisse-moi monter. Putain, ça va arriver sur ma gueule là. Alors elle va où? S2. Elle va au sous-sol 2. S2. 1. Ok. Elle est donc partie au. Oh wow 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 wow! Et va te faire enculer! T'as cru que t'es niqué toi? Foiré, va. Ok, donc c'est S2. Voilà, on y va. Pouh! Eh, c'est juste fou ce qui est en train de se passer. 24, 23. 20 mètres. Doit pas être loin là. Putain, ça va arriver sur moi, je le sens là. Ah, je le sens. Mais bon, je t'ai eu, espèce d'enfoiré. Reste couché. Evie. Evie, putain, 30 mètres. Oh là là. On recharge. On recharge. Je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bombe télécommandée. Bombe télécommandée. Alors attends, est-ce que je peux mettre une bombe télécommandée ici? Ah non, ça marche pas. Donc on a récupéré deux bombes. Je sais pas du tout à quoi ça va servir, mais bon. Aïe. Ah merde, putain. Saloperie. Alors il y a une espèce de survivant ici. Enfin je crois qu'il est mort, il n'a pas survécu. Donc c'est pas vraiment un survivant mais bon. Il me paraissait humain, ah, regardez il y en a encore un là. Oups.
Alors. Combien de mètres? Fais voir ta montre. 11 mètres. Ok, on est proche. On est très proche. Elle est là. Elle est ici. Une caisse. Plus de chimique. Très bien. Evie ? Y'a pas Evie. Corrosif. Mais à quoi ça va me servir tout ça? Ah, peut-être ouvrir ces portes là. Attendez. Ah, c'est ça. Ok. Nice. Evie, putain, 30 mètres. Elle ne fait. Non, Evie. Je ne suis pas fâchée. Attends. Comment tu m'as appelé? Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. Ok, Evie. Je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant. D'accord. Mia s'est fait passer pour la mère d'Evie. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Et maintenant, Evie croit que Mia est sa mère. Oh, elle est là! Evie, attends! Non, il y aura un boss derrière moi. Non, c'est bon. Evie! Alan. Oh putain. Oui, mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan. Ces trucs sont partout. Wow. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evelyn. Ça part en couille. Wouh. Oh putain, il y a encore des monstres. Fais chier. On va essayer de passer à côté d'eux. Non, il n'y a pas moyen. Putain, mais ils sont tellement terrifiants! Oh merde, putain, merde! Oh non, je cours! Non, laissez-moi passer! Ok? Où est votre galanterie, bande d'enfoirés? Oh merde, elle va où? Hein? Mais ils arrivent, eux! Putain! 3. Oh merde! Oh putain de... Mais bon. Non, attends. Attends-moi. Alors, elle est partie au troisième. Let's go. Mais que d'aventure, les crozes. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce bateau. Oh. Système de verrouillage d'urgence activé. Ouvre-moi ça. Totalement dingue. On va essayer de retrouver Alan. Alan. Mon petit Alan, je crois que c'était ici. Non. Ouais, c'était là. Evie est en haut. Appelons Alan. Alan ne répond Alan. Pas. Alan, où es-tu? Eh merde. Oh, encore des bombes. À quoi vont servir les bombes, putain? J'en ai combien? J'en ai 6. J'ai 6 putains de bombes. Ah! Mais quel fils de pute! Putain, espèce d'enfoiré, va! Oh, le con! Je n'ai plus de balles. Ça marche pas si je peux pas mettre de bombes là-dessus? Attends, si. Attention! Réalisme 10 sur 10. Il faut qu'on aille tout en haut, les crozes. Tout en haut. Ici. Voilà. C'est ici qu'on doit aller. Enfin, je pense. Ou pas. Si, peut-être. Je ne sais pas. Révélation. Alan. Mon petit Alan, est-ce que t'es en train de muter? Comment es-tu arrivé ici? Oui. Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle s'en détériore. Foutu, je préfère crever maintenant. Dis pas ça, Alan, oh. Ne dis pas ça. C'est juste un petit virus, hein, tu vas t'en sortir. Hein. Elle fait confiance. Cette petite garce, machin. Oh non, attends.
Evie, non, Evie. Alan, je voulais pas, t'as fait comme ça. Elle Evie, essaie de prendre je le pas, contrôle. Je voulais pas. Tu dois la combattre. Je voulais... Putain la vache! Evelyne, arrête! Arrête ça tout de suite! Je suis malade! Ah merde! Coucou Evie! Wow! Et c'est pas fini, putain, c'est pas fini! On a chopé le virus du coup là, d'accord. On s'est donc fait contaminer comme ça. Oh là là! C'est ouf! Ici. Ah, c'est là qu'elle va enregistrer le message pour Ethan, putain! Mais oui, c'est ça! Regardez, c'est ça. J'en suis sûr, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire là? C'est ça? Mais c'est ça! Incroyable, c'est ça. Oh! Ethan? Putain! Tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais. Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci... Oh là là. Reste à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Et sois heureux. Oh putain. Oh la vache, mais putain, c'est incroyable. Tout prend du sens maintenant, bordel. C'est fou ça. Oula. C'est le moment de courir. Putain, il m'a fait flipper ce con. Du grand spectacle. C'est juste ouf. Pouf. Wow. Tu te souviens maintenant? Ah bah oui, je me souviens, oui. Je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant? Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Oh, mais quel con... Putain! Oh, une sauvegarde. Oh, bon, écoutez les crozes. Je vais sauvegarder ici. Moi, on va s'arrêter là pour cette 8e partie. Riche en révélations. Hein. On peut le dire, c'était juste... totalement dingue ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de réponses. Merci aux tipeurs encore une fois pour votre générosité et votre soutien. Je vous donne rendez-vous pour la 9e partie les crozes. N'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo si vous appréciez toujours autant cette aventure sur Resident Evil 7. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.